Hello, hello! Et bienvenue pour un nouveau vlog! Bon, il y a les enfants à droite. Salut! Il y a Sam à gauche. Moi, je sais pas si je vais vous montrer ma tête parce qu'à l'heure à laquelle je me suis couchée hier soir, j'ai pas une super tête, on va dire. Voilà, la tête. Alors, pourquoi je dis que je me suis couchée tard? C'est parce qu'en fait, on est tous rentrés tard vu qu'on est invités chez des amis. Ouais. Mais moi, il fallait que je monte ma vidéo pour aujourd'hui, en fait, que j'avais pas pu monter avant d'aller chez les amis. Donc, je l'ai montée en rentrant. Ça a pris du temps. Je me suis couchée à plus de 3h du matin. Il était 3h30. Ouais. Plus de 3h30 quand je suis allée au dodo. Voilà. Et comme on s'est levé tôt parce qu'aujourd'hui, on prenait le train, comme vous avez pu le voir, nous sommes à la gare. J'ai prévu de dormir dans le train. C'est ça. Donc je suis pas maquillée hein, forcément parce que ça sert à rien de se maquiller pour dormir dans le train, s'en mettre partout. Et on devrait arriver normalement à peu près vers l'heure de manger. Ouais. Donc on vous retrouve à l'arrivée. C'est ça. Oreo va bien? Oui. Il est trop sage ton lapinou, il est trop mignon. Bon, on est dans le train. Je suis en train de regarder la nouvelle saison de Daredevil. Je suis tranquille sur son thème. Mon thème, c'est pour son petit coin. La pile, il va bien, il va aller de lui. Ah ah! Et on a perdu l'Orient. Elle est en train de dormir. Bien arrivé à Paris. Et le temps ici, il est tout gris. Non, il est gris, il pleuvait. Oui, alors qu'il y a quelques semaines, quand on était, il faisait super beau. Ouais, même plus beau que chez nous. Plus beau que chez nous, il faisait. Mmh. Là, pour le coup, il pleut un petit peu. Mais bon, il fait pas trop froid, donc ça va, c'est ouais. Cool. Direction notre destination. Ah. Je vous retrouve chez la maman de Sam. Donc, on a décidé de venir passer quelques jours de vacances ici en famille. Et faites pas attention à ma tête parce qu'en fait, dans le train, j'ai pas du tout réussi à dormir. Je suis toute décoiffée d'ailleurs. Et pour continuer la journée. Ah, coucou! Re-coucou! Pour continuer la journée. Oh, t'es dans le noir. C'est pour ça que je me suis approchée de la fenêtre en fait parce qu'il y avait pas beaucoup de lumière. Vu qu'il fait tout gris aussi, ça aide pas. Ouais. Je disais, pour continuer, on a décidé de faire une petite surprise aux enfants. C'est pour ça que je suis venue me cacher dans la chambre. Donc, on va partir juste entre grands pour aller faire 2-3 magasins. On espère qu'on va trouver ce qu'on cherche. On va voir. Et si c'est le cas, à mon avis, ça devrait leur faire plaisir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vous retrouve quand on sera revenu. Et j'espère qu'on pourra leur faire la surprise. Je vous ai fait venir dans le salon parce qu'on a une petite surprise pour vous. J'aperçois quelque chose. T'aperçois quelque chose? Oui. T'aperçois quoi? C'est les affaires pour décorer la maison à Halloween. Il y a plein de choses. Qui c'est qui va découvrir tout ce qu'il y a là-dedans? Tout le monde. Ouais, ok, je vous regarde. On n'a pas un petit peu plus de lumière ici? Non. Bon, c'est si, parce qu'il fait gris. Hein. Si. On essaiera de mettre un peu plus de lumière avec le quand on montrera la vidéo. Voilà, voilà. Alors déjà, je vais débarrasser votre grand-mère, voilà, qui a deux décorations de citrouilles, mais on va pas les allumer tout de suite, je vous garantis qu'elles font un effet plutôt sympathique. Ouais. Mais tout ça, on le fera quand on fera peut-être un petit room tour du salon, en mode Halloween. Carrément. Donc regardez bien la pièce aujourd'hui, il se pourrait bien que dans les jours à venir, ça change pas mal. Bon, vous pouvez les poser du coup, je vous débarrasse. Et moi j'attends qu'on me montre ce qu'il y a dans ces paquets. Allez. Oh, il y a une petite sorcière. Un déguisement de petite sorcière. Tiens, vas-y Léna. Allez, venez tous piocher. Juliane. Viens mon chéri. Des autocollants pour mettre sur les vitres. C'est bien dégueu, hein. Vas-y Juliane. Qu'est-ce que tu as attrapé? Ouh, c'est ça. On s'est dit qu'on allait mettre ça dans l'entrée. Pour dire, attention, vous pénétrez dans une zone un petit peu dangereuse, peut-être. Mm-hmm. Attention. Mais t'es fou. Et normalement, elles sont phosphorescentes, celles-là. Merci. Ça pioche. Attendez. Une perruque. Je me demande bien pourquoi une perruque. Un fantôme. Ouais, pour
porte-clés fantômes. Il est rigolo. Porte-clés ou pour les accrocher. Nous, on s'est dit qu'on allait les suspendre quelque part. Ce serait sympa. Un blanc et un orange. Trop génial. Allez, on va les poser. Vas-y, Léna. Une toile d'araignée. Vous m'aiderez à l'installer ? Parce que c'est pas facile d'installer les toiles d'araignée. Ouais, hein. C'est ce qui prend le plus de temps, je pense, dans la déco d'Halloween. Allez, oh oh. Il n'est pas très rassurant, lui. Il s'allume aussi, t'as vu ? Ouais, il peut s'allumer, mais on va pas trop en dévoiler. Je... Toi aussi, t'as trouvé des petites choses qui sont censées faire du bruit ou s'allumer ? S'allumer encore. Oh, ah, celui-là, il est génial. Ah, ça, c'est mon préféré. Non, non, non. Tu gardes la surprise pour quand on fera le... Ok, mais il est vraiment trop, trop génial. Ça, c'est mon coup de cœur. On a aussi pris des petits fantômes. On les trouvait mignons à poser. C'est toujours chouette. Vas-y, Jen, prends mon premier sac. Ah, ça, c'est spécial dédicace pour la sœur de Sam. C'est voilà, ça. On s'est dit qu'on pouvait pas ne pas prendre une araignée géante. Elle adore ça, oui, particulièrement. Elle va être très contente. C'est son petit animal de compagnie préféré. Un déguisement de fantôme. On déguisement de fantôme. C'est l'araignée qui tombe dessus. Ah, on reconnaît bien le neveu un peu vache. Hein. D'échafaud aussi, oui. Ouais. Ils sont mignons, ils sont super, super mignons. Des pailles avec des squelettes. Des pailles avec des squelettes. Oh, vas-y, essaye le voir, je suis sûre, il te va trop bien. Ah, oh, t'es trop beau. Une perruque magnifique. Une perruque tout orange. Oh, toi aussi, t'es canon, loulou, comme c'est ça. Le swag. Alors, qu'est-ce que tu as, toi ? Des paquets de bonbons. Ah, il y a des paquets de bonbons, effectivement. Il y a des boucles de maquillage. Oh, t'es mignonne avec ton petit chapeau de sorcière. Pourquoi moi ? Pourquoi toi ? Bah, regarde, les garçons en citrouille, les filles en sorcière. Et on a même le bruitage. Oui, ça te plaît ? Oui. On savait pas si ça te plairait, tu aimes ça ? Ouais, ça c'est quand vous serez pas sage. Voici ce qui va vous arriver. Ah ouais, non, mais là c'est la folie. Elles sont canons, hein. Je suis pas sûre qu'on voit très bien par contre, du coup. Un masque chauve-souris. Vous avez entendu les enfants ? Regardez bien le squelette en cage. Oh non, si vous n'êtes pas sage, c'est votre destin. Trop mignon. Non ? Papa, il a dit qu'on n'allumait pas parce qu'on ne montrait pas tout c'est de suite les décorations. Après. Tu l'aimes bien aussi celui-là ? Mmh. Ah ben, on est content alors. Oui, très sympa, très très sympa. Il y a encore des paquets de bonbons. Un paquet de bonbons géants. Oh, celui-là, il est trop bien, celui-là, c'est pas grave. Oh, il y a d'autres paquets de bonbons trop mignons. Une palette de maquillage. Oh, il se pourrait bien qu'il y ait des petits make-up d'Halloween, alors. Est-ce que par hasard, ce serait pour ça qu'il y a des perruques ? Oh, Qui sait ? Grand paquet géant. C'est des araignées ? Oui. Des araignées à suspendre ou à mettre. Ah, c'est dégueu. D'autres bonbons dans des cercueils. Les petits seaux pour aller faire la quête de bonbons. Ça, on en avait une deuxième. Il aime bien le chapeau citrouille. Hein. Je sais pas ce que c'est. C'est des petits bonbons. C'est des bonbons. Et des petites décorations. Voilà, voilà. C'est bon, on arrive à la fin. Et ça aussi, un autre petit fantôme. Trop chou. Bon. Bon, je pense que c'est oui. Déjà pas mal. Je pense qu'on peut constater qu'il va y avoir du boulot. Donc, vous allez tous être mis à contribution hein, pour faire la déco du salon. Il faut absolument que vous ne le reconnaissiez pas. Je pense que ça va être très bien. Ça devrait être pas mal. C'est hein. Voilà. Et dites-moi, ça vous fait plaisir ? Oui. Vous avez hâte ? Oui. Bon, alors comme il est déjà pas mal tard, bon, moi ça me fait super plaisir aussi. Hein. Vraiment, votre réaction de vous jeter sur les paquets, moi j'adore, hein, je trouve ça génial. On voit que ça fait plaisir. Et donc j'allais dire, par contre il est déjà un petit peu tard, je pense que vous pouvez voir. Non, en fait on voit pas, on dirait qu'il y a de la lumière dehors, c'est bizarre. Donc on va arrêter le petit vlog du jour. En plus, comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas beaucoup dormi, hein, donc je crois que je vais aller dormir très très tôt ce soir. Du coup, on vous retrouve dans le prochain vlog. On espère que celui-ci vous aura plu et mettez-nous dans les commentaires si vous avez hâte de voir à quoi va ressembler cette pièce quand on aura installé tout ce qu'on vient de vous montrer. Jen, elle est à fond avec son petit masque de diablotin là, elle est... Donc, sur ce, oula, j'ai avoir du mal à finir, je suis fatiguée. Oui. On espère que ça vous aura plu, je crois que je vous l'ai déjà dit. On vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut. Bye bye. Salut, salut.